Good morgen, allez, Iden, excuse-moi, aujourd'hui le Mishmat, Richard Ron, Ben Fortune, Mazal, Claude, Israël, Ben Fortune, Mazal, Dan, Myriam, Bat, Elisa, Sayak, et Sol, Vanish, les bêtes d'Elmar. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Yuma, Perek, Vav, Mishnah, Delet. Ve Kevesh, Asulo, Mipene, Habavli, Yim, Shayom, et Alshin, Besaro, Vamrimlo, Tol, Vatse, Tol, Vatse, Miyakire, Yerushalayim, Ayum, Alavin, Oto, Ad, Suka, Rishona. Esser, Sukot, Mirushalayim, Vad, Suk, Tishimris, Shiva ou Mertza, Lechol, Mil. On continue à parler du bouc émissaire, le Seir l'Azazel. On a, depuis le début du chapitre, on a défini son allure. Et puis ensuite, on a expliqué que le Kohen Gadol faisait un vidouille. Après, dans le Mishnah Gimel, on a dit qu'on le transmettait à quelqu'un qui allait l'amener dans une falaise, en dehors, dans le désert, en dehors du Yerushalayim, et le jeter de la falaise. Et lorsqu'il allait tomber et se décomposer, eh bien les fautes du Am Israël allaient être expiées. Et la Mishnah, maintenant, me raconte que pour le faire sortir de Lazara jusqu'à la sortie d'Yerushalayim, alors, Vekevesh Asulo, et il lui avait fait une rampe. On ne le laissait pas marcher dans la rue normalement, mais on avait construit une rampe, de manière à ce qu'elle était en hauteur, et qu'il y avait une sorte de pont, en fait, jusqu'à la sortie d'Yerushalayim. Pourquoi ? Mipene Abavliim, à cause des Babyloniens. Babliim. Shaoum Metalchin Bessaro, qui lui tirait les poils. Je traduis, après j'explique un peu mieux. Vomrimlo, et il lui disait en même temps, Tolvatse, Tolvatse, prends et dégarpille, bouge, dégage. Prends et dégarpille. En fait, donc la Mishnah me dit, en théorie, on n'avait pas de problème de prendre le bouc et de marcher normalement dans les rues du Yerushalayim jusqu'à la sortie du Yerushalayim, puis sortir jusqu'au désert pour le jeter. Seulement, il y avait des Bavliim, qui en fait n'étaient pas des Bavli, c'était des Alexandrins. Et là, on explique pourquoi des Bavliim, pourquoi on utilise le terme Bavli, parce que Bavli, c'est Ben Bli Ol. C'est un jeu de mots pour expliquer que c'était des gens qui étaient un peu voyous. Mais en fait, ce n'était pas des Bavliim. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il lui arrachait les poils et lui disait, allez, dégage vite, pars vite, avec ses Averot. Là, ici, tu as le bouc de tout le Am Israël, là. Toutes les fautes du Am Israël, elles sont sur la tête du bouc. Pars vite, va vite le jeter. De qui les arracher les poils? Alors là, c'est un peu délicat. Parce qu'en fait, j'ai toujours appris depuis que je suis petit, que j'ai appris ces Mishnayot, on m'a toujours dit qu'on arrachait les poils du saïr, du bouc. Mais si vous faites attention au Mantanora, et même dans Rashi aussi, je crois que quand j'ai lu Rashi aussi, c'était comme ça, il fallait comprendre qu'en fait, ils arrachaient les poils du chaliach, du méchaliach. Le Kohen, il lui arrachait, je sais pas, il lui arrachait les poils ou il arrachait les cheveux. Si tu fasses un Kohen, peu importe si c'était un Israël, ça en est même. Mais c'est à lui en fait qui lui faisait des misères. D'accord? Regardez ça en suspens. Comme ça c'est dit. Kedeshelo yuchlo abevim ligaba meshaleach. Qu'il ne puisse pas toucher au meshaleach pour lui arracher les poils. Ça c'était fin du premier sujet. Maintenant la Mishnah continue à me dire. Miyakiri Yerushalayim, parmi les gens importants d'Yerushalayim, Ayum Elavinoto Atsuka Rishona, on l'accompagnait jusqu'à la première cabane. C'est quoi cette cabane? Eh bien, Eser Sukot Mirushalayim Atsuk. Sache qu'il avait 10 cabanes de Yerushalayim jusqu'à le Tzouk, qui avait donc en tout Tish Imris, il y avait au total 90 Ris, Ris c'est une mesure. Il y avait au total de Yerushalayim jusqu'à l'endroit où on le jette, il y avait l'équivalent de Tish Imris, et donc Shiva Omerza, l'école 1000, à chaque 7,5 000 tu mets. Donc ça fait à 7,5 première borne, 15, deuxième, 22, 5, et ainsi de suite, en avance, c'est 30, 37, 5. Et comme ça, en fait, on va voir, non, ça va être plus précis, en fait, on a d'un bout à l'autre, il y a 90. Il faut les séparer avec 10 bornes au milieu pour nous faire, en fait, l'équivalent de... Donc les 90, vous les séparez, vous les dispatchez, ça va vous faire 7,5. Parce qu'en fait, à la première borne, c'est Yerushalayim, dernière borne, tu es arrivé au Tzouk, là-bas, il n'y avait pas de borne, donc en fait, on avait au milieu 10, ça fait l'équivalent de 7,5. Donc, on commence à marcher 7,5, première borne, et ainsi de suite, et comme ça, on va se retrouver à la... on va arriver comme ça jusqu'à 10, 90 RIS. C'est quoi un RIS? RIS, c'est en fait, le partenaire a dit qu'il ne faut pas dire RIS, il faut dire RUS. RUS, la valeur numérique, c'est RESH, VAV, sa mère, c'est l'équivalent de 266, 266 à main. Si vous faites 266 fois 7,5, ça va vous faire l'équivalent de 1995, donc, quasiment 2000 amas. Vous savez qu'à Shabbat, ou à Yom Tov, on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville à plus que une
1000, à plus que 2000 amas. Donc en fait, on se débrouille pour en fait faire des soukotes à chaque fois à moins de 2000 amas. Lui, le Cohen, il avait le droit de sortir, mais les autres n'avaient plus le droit de l'accompagner ensuite. La Mishnah me dit les gens importants du Yerushalayim sortaient et l'accompagnaient jusqu'à la fin de la première, jusqu'à la première borne. Là-bas, il y avait, comme ce qu'on va voir dans la prochaine Mishnah, il y avait déjà, à chaque borne, il y avait des gens qui restaient là-bas pendant tout Yom Kippour, et qui étaient justement en vue de l'encourager lorsqu'il allait passer par lui, comme ce qu'on découvrira dans la prochaine Mishnah, d'accord? Ok, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov.